Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du Barbie Challenge, sauf qu'il y a eu un gros bug avec le jeu et on a perdu toute notre sauvegarde, donc on recommence. Alors là, on va juste faire qu'est-ce qu'on a perdu et on vous retrouve après. Alors là, on est à une place d'or à San Michino et on va les nourrir. Et peut-être que le fantôme pourrait faire de la peinture, ça donne quand même beaucoup d'argent parce que là, ils n'ont pas tant d'argent. Et ce serait fun, on veut toujours avancer le plus rapidement possible. Ok, donc oui, c'est ça. On a trouvé un chevalet et notre cher ami fantôme qui est embarrassé. Anyways, elle va nous peindre un peu parce que, comme on sait, c'est une des, dans les challenges, une des principales façons de ramasser de l'argent. On a trouvé notre meilleur ami qui va être une victime de l'amitié de Barbie. Ok, Stéphanie, calme-toi. Donc, on a besoin d'un meilleur ami pour la vie et pendant, vu que notre ami fantôme est en train de peinturer, on a décidé que ce serait Brent qui serait le meilleur ami de Barbie. Ok, là, Madame Fantôme veut plus peindre parce qu'elle est trop fatiguée. Alors là, j'essaie de trouver un banc pour qu'elle dorme, parce que Noé qui va se trouver un lit, là, c'est impossible. Et là, on doit se revoir Barbie et Brent, parce que j'ai vraiment hâte qu'ils deviennent meilleurs amis. Wow, Brent! Après ce moment fantastiquement malaisant avec Brent, il a disparu. Donc maintenant, on va essayer de se prendre une activité parascolaire. Pourquoi il n'y en a pas dans les choix? Pourquoi ils nous le mettent s'il n'y en a pas qu'on peut savoir? Non, il n'y en a vraiment pas, là. On a décidé d'aller retrouver Brent. Cet épisode, on devient meilleur ami avec lui, qu'il le veuille ou non. Brent dort à 5h50. Barbie se réveille et on va aller voir Brent cette fois-ci s'il peut pas venir à nous. Donc, on attend juste que le fantôme finisse sa toile et nous serons sur la route. À Brittle dans une petite maison éloignée, vit Brent et Brent. Statue, nous sommes dans la maison des Brent. Maintenant, trouvons-le. Pas au premier, pas au deuxième. Pas dans le toit, ça a l'air. Est-ce qu'il est dans la cour? Ah oui, il l'est. Et tu pensais pouvoir t'échapper, hein? Maintenant, c'est le temps qu'il devienne meilleur ami. Prenons un moment pour remercier Stéphanie qui a manqué le câlin de Brent et Barbie. Alors, nous avons terminé notre étape! Yes! Donc, c'est la troisième partie de notre étape sur quatre et Barbie pourra devenir ado. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup avancé à la maison, mais tout de même. Donc, la plupart des choses, c'est devenir ami avec des adultes, devenir ami avec des enfants et j'imagine juste améliorer notre compétence sociale. Alors, Barbie va discuter avec des vieux. Je veux dire adultes. Bon, une fois qu'elle aura fini d'être évanouie dans la cour de son meilleur ami, elle pourra aller à l'école. Et on prend le contrôle du fantôme quand c'est vraiment pas son nom. Home sweet home. Pourquoi Barbie est pas encore à l'école? Personne ne sait. Hey, bonjour toi! Va à l'école! Ça se peut-tu? Bon, côté réno, avec le montant d'argent qu'on a, on peut pas mal juste rajouter deux murs et mettre le plus de lilas possible sur notre mur. Et encore une fois, on n'a même pas assez de papier peint pour faire un mur complet. Alors, c'est sur cette fantastique image que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Mettez un thumbs up. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous si vous avez aimé ça et pour ne pas manquer les autres vidéos de ce challenge. Bye!